Chers amis, bonjour et bienvenue au sommet du cinéma d'animation. Le prix René Jodoin est remis annuellement par les sommets en collaboration avec la Cinémathèque québécoise pour souligner le talent, l'engagement et le travail exemplaire d'un artisan de l'animation canadienne. Le prix porte le nom du fondateur de l'animation française à l'ONF, René Jodoin, dont l'œuvre, à la fois comme producteur et comme réalisateur, a jeté les bases de l'animation canadienne moderne. Le prix René Jodoin 2020 est remis à la réalisatrice Martine Chartrand. En 1992, Martine tourne son premier film d'animation professionnelle dans le cadre de la série « Droits au cœur » de l'ONF, TV Tango. Mais deux ans plus tôt, en 1990, il s'est passé quelque chose d'important dans la vie de Martine Chartrand. Au Festival international d'animation d'Ottawa, Martine voit le court-métrage d'animation peint sur verre, La Vache, du grand cinéaste russe Alexandre Petrov. Martine est marquée. Martine est impressionnée. Elle décide donc de partir pour la Russie, réaliser un stage de peinture sur verre sous la direction du cinéaste Alexandre Petrov, afin de maîtriser cette technique qui a la réputation d'être une des plus exigeantes du cinéma d'animation. De retour à Montréal, Martine se lance corps et âme dans deux projets majeurs ayant un très, très fort retentissement. Âme noire, qu'elle termine en 2001, et MacPherson, qu'elle termine en 2012. Dans ces deux films, Martine célèbre l'identité noire. Ces courts-métrages lumineux, portés par un humanisme sincère et dévoué, scintillent comme des joyaux, nous font réfléchir, nous font découvrir l'histoire des Noirs et nous amènent à embrasser la diversité à bras ouverts. Sans compter que Martine Chartrand, durant toutes ces années, a donné du temps pour des ateliers d'animation, des leçons de cinéma, des conférences, afin de transmettre son savoir, afin de transmettre les rudiments de son métier, afin de transmettre ses connaissances. Et jamais, jamais, jamais Martine n'a hésité à le faire, avec la générosité qu'on lui connaît. En 2012, MacPherson était présenté en première mondiale à l'ouverture du Festival des films du monde de Montréal. Le film était suivi d'un long métrage chinois intitulé « Million Dollar Crocodile ». Martine, je pense qu'à peu près personne se souvient de « Million Dollar Crocodile ». Mais MacPherson, ce film qui raconte l'amitié entre un immigrant jamaïcain, Frank MacPherson, et le grand chanteur québécois, Félix Leclerc, bien ce film, on en parle encore. Il a fait date, il rayonne toujours, et nous sommes ici pour le célébrer, comme pour célébrer le reste de ton travail. Martine, lors de cette cérémonie, des gens que tu aimes et des gens qui t'aiment viendront te rendre hommage. Nous avons demandé à ton mentor, Alexandre Petrov, de livrer le premier témoignage. C'est à ses côtés que tu as réalisé un stage de peinture sur verre. Petrov, on le sait, il est l'auteur du film « La Vache », donc le film qui t'a marqué, de « La sirène », du « Rêve d'un homme ridicule ». Et il a aussi réalisé à Montréal, au studio Pascal Blais, « Le vieil homme et la mère », auquel tu as collaboré. On écoute Alexandre. Bonsoir à tous, je suis Alexandre Petrov. C'est un grand plaisir que je salue la lauréate d'aujourd'hui. Ma collègue, mon amie, Martine Chartrand, la peintre et la réalisatrice qui rentre dans le monde, dans le grand monde d'animation avec son propre thème et son intonation unique. Martine, c'est vraiment dommage que tu sois loin et tu peux pas corriger mon mauvais français comme d'habitude. En tout cas, je te félicite, mais j'aimerais continuer en russe.
Мартина, я поздравляю тебя с этим призом. Твой вход в профессию не был безоблачным. Тебе приходилось много работать для того, чтобы доказать свое право на свой авторский взгляд на жизнь и на вопросы творчества. Это было непросто, но ты преодолел все. Мы с тобой знакомы почти четверть века. В 1994 году ты приехала в Ярославль, в Россию, чтобы изучать анимационную технику живописи на стекле. Если честно, у меня были большие сомнения, что за это время, за те 2 месяца, что была эта стажировка, можно было что-то объяснить по этому серьезному и сложному делу. Но ты хорошо подготовилась, и ты быстро училась. И, кроме всего прочего, ты приехала не просто смотреть и слушать. Ты приехала со своим проектом нового фильма. Буквально через несколько тестов ты встала под камеру и стала снимать сцены из будущего фильма. Сняты несколько сцен в Ярославской студии легли в основу твоего фильма «Черная душа», снятого при поддержке ВНФ Канада. Эти 2 месяца, что мы провели вместе, были очень важными для нас. Они сделали нас большими друзьями, и жизнь подарила нам большое количество возможностей для встреч, для бесед, для шуток, для печальных каких-то размышлений. Это большой подарок жизни. Кроме всего прочего, ты была вдохновителем и куратором моего важного проекта «Старик и море», который я снимал в Канаде со студией «Паскаль Бле» в Монреале. Проект был поворотным для моей биографии, и я на самом деле благодарен и тебе, и этому проекту за то, что я познакомился с Канадой, с французской Канадой. Эта страна воспета выдающимся художником и гражданином вашей страны Фредериком Баком. Это его жизнь, его творчество является для меня большим примером. Я думаю, что для тебя также. Я знаю, что ты любишь свою страну, свой народ, свою природу, своих людей. Я знаю, что у тебя есть особая тема, у тебя есть симпатия и к людям черной расы, к их судьбе, и к их роли в развитии американской цивилизации. В твоих фильмах нет провокации и нет агрессии, так характерной сейчас для современной Америки. Ты очень серьезно относишься к этой теме, ты внимательно готовишься, и твои фильмы побуждают к диалогу. Это редкое для сегодняшнего времени качество в профессии кинематографиста. Когда фильм – это не просто способ рассказать о своем внутреннем мире или показать свое какое-то выдающееся мастерство. Ты относишься к этому как к великому служению, как к миссии. Просто по природе своей ты, как мне кажется, просветитель, учитель. Тема, которую ты выбираешь, касается многих людей и их проблем. Ты сама мучаешься этими вопросами, и вот почему твои фильмы так волнуют и вызывают эмоциональный отклик. Твои картины очень личные, а в то же время они очень открыты. Конечно, помогает анимационная живопись, которой ты владеешь блестяще. Ты прекрасно чувствуешь пульсирующую текучую краску. Ты знаешь, как создать эмоциональный накал творческой режиссерской мысли. И зрители знают и чувствуют этот твой посыл. И твои работы ждут и любят. Я хочу пожелать, Мартина, тебе счастливой, яркой творческой жизни. Я хочу быть здоровым. И, пожалуйста, не забудь, дай возможность, не останавливай ту бегущую, смелую, веселую девочку, которая живет в твоей душе, которая все время бежит по бревнам. Бон кураж, месье. Marcel Jean est aujourd'hui directeur général de la Cinémathèque québécoise et mon collègue. De 1999 à 2005, il a dirigé le studio d'animation du programme français de l'Office national du film du Canada. Il t'a donc accompagné.
dans l'aventure Dame Noire et de Macpherson. On l'écoute. Cher Martine, pendant 6 ans, j'ai eu le plaisir d'être ton producteur. Je suis arrivé au moment de la dernière année de la production Dame Noire, puis ensemble, on a démarré Macpherson, qui est un projet qui te tenait tellement à cœur et qui me passionnait, moi aussi. Aujourd'hui, tu es la 6e récipiendaire du prix René Jodoin. C'est un honneur qui est parfaitement mérité, par-delà la qualité de tes films même, parce que ta générosité, la capacité exceptionnelle que tu as eue d'accueillir, d'enseigner, de motiver, constamment de recevoir les visiteurs, d'aider les jeunes à découvrir cette histoire des Noirs qui te passionnait tant, à leur parler du cinéma d'animation, eh bien, tout cela, ça contribue à faire de toi une récipiendaire idéale pour le prix René Jodoin. À ce chapitre, je ne peux pas ne pas parler de ton studio, parce que entrer dans ton studio, c'était déjà entrer dans tes films. Aujourd'hui, on dirait c'est une expérience immersive, parce qu'on passait à la porte de ton studio, et là, l'éclairage, les images qui étaient accrochées sur les murs, la musique que tu faisais jouer, tout cela déjà faisait en sorte que nous étions dans le film. On faisait partie du film. Alors, quand on travaillait ensemble à réfléchir, à brainstormer à propos de Macpherson, eh bien, on était déjà avec lui, on était sur la drave, on était en Jamaïque, on était avec Félix Leclerc. Et ça, c'est un peu ton côté magicienne, cette capacité que tu as de créer un environnement, de créer un univers et ensuite de le partager, de le faire vivre aux autres. Et ça, c'est dans tes films, mais c'est aussi dans ta vie. C'est toi, et c'est beaucoup à ça qu'on te reconnaît, Martine. J'ai le souvenir, j'ai de plusieurs beaux souvenirs, mais notamment le souvenir d'un moment dans le studio d'enregistrement musical avec ton grand complice Fernand Bélanger, lorsqu'on regardait Oliver Jones réussir à enregistrer la musique d'Âme Noire d'une seule prise. Il était là, souverain, parfaitement maîtrisant, contrôlant parfaitement son instrument. Et c'était un grand moment de joie, je dirais, un moment d'excitation rare. Plus tard, j'ai le souvenir du coup de fil que tu me passes. On est en plein après-midi à Montréal. Toi, tu es à Berlin, c'est la soirée. Et tu me dis, ça y est, on l'a eu. Et je te dis, on a eu quoi? Et tu me dis, l'ours d'or. Donc, ça y était, tu allais recevoir ta consécration internationale à travers ce grand prix du prestigieux Festival de Berlin. Encore quelques mois plus tard, on se retrouve ensemble à Annecy pour la première Dame Noire. Tu es tellement heureuse d'être là, heureuse de rencontrer les amis du cinéma d'animation de partout autour du monde, que tu n'endors plus la nuit. Et puis, lorsqu'on se retrouve dans la salle pour la projection officielle d'Âme Noire, eh bien, tu t'endors pratiquement sur mon épaule pendant la projection de ton film. Moi, j'ai toujours interprété ça comme le fait que c'était pour toi mission accomplie, qu'à partir de là, donc, le film, il allait vivre par lui-même et que toi, ta part de travail était terminée. On allait pouvoir maintenant commencer Macpherson, qui allait être une autre très belle aventure. Alors, profite bien, Martine, de ce prix aujourd'hui. Je t'embrasse. Le prochain témoignage vient d'une personnalité majeure du jazz. C'est un immense musicien et un pianiste virtuose de réputation internationale. Il est officier de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec, et il est citoyen d'honneur de la Ville de Montréal. Il signe et interprète la musique jazz originale de ton court-métrage « Âme noire ». Oliver Jones, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous a envoyé ce témoignage écrit. Madame, Monsieur, chère Martine,
Au début des années 2000, je reçus un appel d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Martine Chartrand se présenta comme une productrice de films et une artiste visuelle. Elle était occupée à un intéressant projet, un court-métrage animé sur l'histoire d'un jeune garçon qui apprend de la bouche de sa grand-mère l'histoire des Afro-Américains, de l'époque du trafic d'esclaves jusqu'à l'arrivée des Africains en Amérique au 17e siècle jusqu'à nos jours. Comme je l'ai mentionné, à cette époque, je ne connaissais pas Martine Chartrand. Lorsque je l'ai rencontrée à l'Office national du film, j'ai découvert une jeune femme pleine d'enthousiasme et de passion devant un projet qui lui tenait grandement à cœur. Je fus charmé par la perspective de notre collaboration. Je considérais aussi très important de participer à un document qui mettrait en valeur la culture noire et l'histoire de notre peuple. La vision de Martine était claire et très sensible. Elle me montra une portion du film en production et m'expliqua ce qu'elle voulait pour accompagner les images que je trouvais absolument merveilleuses. Ce fut un très grand bonheur pour moi d'inviter mon amie très chère et grande chanteuse, Madame Rinelly, à participer à ce document si important. J'ai rencontré Martine plusieurs fois par la suite pour discuter de son affection si grande pour âme noire et de sa technique d'animation de peinture sur verre que je trouvais absolument fascinante. J'admirais aussi sa force morale et son aptitude à résoudre tous les problèmes rencontrés. Martine est une grande artiste dans tous les sens du terme, une personne respectable et digne au plus haut point de tous les hommages qu'on lui rend en ce jour. Alors, chère Martine, bien des bravos à l'occasion de la remise du prix René Jodoin. Ma conjointe, Monique Leclerc et moi-même, nous réjouissons de votre bonheur et applaudissons bien ardemment votre fructueuse carrière. De tout cœur, Oliver Jones. Nous avons maintenant le plaisir de présenter Âme noire. Thank you.
Nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
En 2001, Martine, Âme noire, était en compétition à la Berlinale et remportait d'ailleurs l'Ours d'or du court-métrage. Il y avait, lors du festival, un journaliste et chroniqueur de la presse qui a fait ta rencontre. Il avait d'ailleurs signé un très, très beau papier qui est paru dans la presse et qui s'intitulait « L'ours de Martine ». Le journaliste et chroniqueur en question s'appelle Marc Cassivi. Il partage avec nous ses souvenirs. L'image qui me vient toujours de toi quand je repense à Berlin, en fait, c'est cette image-là de toi, Martine, sur scène, qui reçoit l'ours d'or, le sourire de jeune fille, en fait, cette espèce de sourire éternel qui, pour moi, de jeunesse éternelle, c'est cette lueur dans tes yeux aussi. Tu avais vraiment l'air d'une enfant qui éberluée de recevoir ce prix important. Ça fait presque 20 ans. Puis c'était notre rencontre. On s'était vu quelques temps avant. J'avais vu ton film. J'étais tombé sous le charme. Et donc, j'étais à la fois sous le charme du film et de cette femme, de ce regard, de cette humilité, toute ton attention vers l'œuvre, les collaborateurs. Je me souviens qu'en entrevue, tu cessais pas de me parler des gens autour qui avaient contribué à Âme noire, qui avaient fait de ce film ce qu'il est. On ne sentait pas du tout l'ego des cinéastes. Il y en a qui ont quand même des égos assez importants. On ne sentait pas du tout ça, même qu'on avait envie de te dire « mais prends-le pour toi, ce prix-là, parce qu'il t'appartient. » On a eu la chance de se revoir par la suite. Ça, à intervalles réguliers de 10 ans, presque, ça a pris du temps avant qu'on se revoie, mais toujours est restée pour moi cette rencontre avec cet artiste que tu étais, cette personne qui avait envie de porter un message, de parler de la condition des Noirs, de l'histoire des Noirs, de cette histoire méconnue, notamment au Québec, mais un peu partout. Et puis pour moi, c'était un moment très, très important, très émouvant de te voir sur cette scène-là. Puis j'y repense, puis ça m'émeut encore. Nous regardons maintenant un extrait de Macpherson. Il s'agit de la scène où on voit comment s'est effectuée la rencontre entre Frank Macpherson et Félix Leclerc et comment Félix a construit le mythe Macpherson dans sa célèbre chanson. Le grand documentariste québécois Serge Huguard a réalisé un film sur toi.
Le mystère, Macpherson. Le documentaire présente ta quête concernant Frank Macpherson. Le cinéaste t'a suivi un peu partout, chez toi, à l'ONF, et même en Jamaïque, où tu as donné, à la Woolmer School for Boys, un atelier de peinture sur verre. Frank Macpherson avait étudié à cette école. On regarde un extrait du documentaire. The area where he was walking when he was 18, 17. It was much more beautiful. Long time, girl, me never see you. Come make me hold your hand. A long time, girl, me never see you. Come make me hold your hand. A feeling jam cross it on for sweet up, pick up the blossom. Make me hold your hand, girl. Make me hold your hand. Make me hold your hand, girl. Make me hold your hand. Macpherson, it was a real man who came here as a student 100 years ago. It's a pleasure having you guys, all right? Oh, yeah. You want to see his photo? Yeah, just a second. This is Frank Macpherson when he was at McGill University. And if we read it, it's Frank Macpherson. He's a polite but unyielding, argor fire. Education, Woolmer School. Oh, okay. Here is the family Leclerc, and he's here. But you realize that he's the only black one in the family? maybe his spirit still walks this place, eh? Oh, you think? Yeah, I think so. It's the oldest school of its kind in the Western Hemisphere. Wonderful. It's older than Harvard. So, all boys who wanted to go to higher levels studying could go here at this time, yeah. Even at the slavery time. Even in slavery time, it was for the free blacks as well as the free coloreds. Wonderful. Macpherson, a Woolmerian like you, his relative, ask your parents about it, was the former leader of the house. Ripton Macpherson and his sister, Phyllis Macpherson, our Minister of Education, who used to just walk through Woolmer's. On any given day, she'd just visit, walk through. They really love their school, as our school song said. You can be here. You can be here. Hear that, Lynch? Long time we'll never see you. Come make me hold your hand. Feel a jam cross it down by trees up, pick up the blossom. Make me hold your hand, girl. Make me hold your hand. Long time we'll never see you. Come make me hold your hand. Long time we'll never see you. Come make me hold your hand. Feel a jam cross it down by trees up, pick up the blossom. Make me hold your hand, girl. Make me hold your hand. In our books, in Canada, when I was young, we didn't have a lot of black history.
and I felt like relative to any blacks around me. And I almost felt like MacPherson was like part of my family. So it was like Jamaica was almost my country. So that's why probably I took a lot of energy for doing this film. I'm so happy and very glad and honored to be here. I'm very happy. And you're a nice student, you're quiet. Wow. Wow. Oh, wow. He's good. We have some blue there. Oh, I'm sorry. No, it's okay. It's me. Oh, thank you. Thank you very much. Your work is beautiful. You like it? Yes. Thank you. Voilà. Dans la scène de l'atelier de peinture sur verre qu'on vient de voir, on remarque à l'avant-plan vers la droite un garçon qui démontre beaucoup de talent. Son nom est Michael Williams. Lors du tournage du documentaire, Michael avait 15 ans. Il a aujourd'hui 23 ans. Et grâce à l'école Walmer, nous avons retrouvé Michael. Michael est aujourd'hui peintre, il est performeur, et il est militant pour les personnes LGBTQ+, en Jamaïque. Martine, on voulait insister sur la transmission, sur ton sens de la pédagogie. Et tout comme toi, Michael est maintenant artiste et une personne engagée. On l'écoute. Hi, I am Michael Williams, also known as Mix Leo Williams. I'm an artist, I am a scholar, and I am a activist. I also attended Woolmer's from 2009 to 2014, and during that time I had the lovely opportunity of meeting Martine. I think it was around third form or fourth form when I first met her. I was really interested in art at the time, and just seeing her and her coming back to Jamaica, around that whole documentary, Finding MacPherson, was really important to me, especially as a young artist, getting that experience, as you saw in the documentary, of being able to paint on glass for the first time was pretty wild to me, because I've never painted on glass. And here Martine was giving me, as a young artist, the opportunity to be there and just do that. And just remembering now, it still comes back to me that very day, and just being in front of that group and being in front of the audience and being able to paint, it was just amazing. And I can definitely say that it did impact me as an artist. Now I do performance, I do sculpture, and I do visual media through digitals as well. And I do motion graphics, and just seeing that now, I remember the opportunity and say, oh, maybe that was really a very traditional form of creating and painting, which was something which was new to me, just taking shots and then changing the shot and then taking the shot again and then doing the animation work. It seemed very exhausting, but seems very fulfilling to me. And I just want to congratulate Martine on receiving this award. You're such a great artist, and I really appreciate all the love and the insight that you poured into us as young artists. So all I want to say is thank you and congrats. Elle est cinéaste, animatrice, programmatrice et commissaire indépendante établie à Toronto. Et c'est aussi une très, très grande amie à toi. On l'a invitée à livrer un témoignage et elle a répondu oui tout de suite, dans les minutes qui ont suivi, et avec un grand enthousiasme. On écoute Maddie Perreux. Alors, c'est bien, Martine Chartrand. Cette trace, l'ukulélé.
J'ai connu Martine, il me semble, vers 2004. Je me souviens rencontrer Hélène Tanguay ici à Toronto. Et elle m'a dit, t'as un double à Montréal. Et moi, j'ai rigolé parce que j'avais déjà un double à Toronto. C'est ma sœur jumelle. Alors, bref, quelques mois après, je vais à Ottawa au festival d'animation et je rencontre Hélène de nouveau. Et finalement, elle me présente Martine Chartrand. Alors, avec Martine, on a vraiment... Je sais pas. Ça a été une foudre. Et on s'est vraiment jumelés. Après le festival, je suis partie avec elle à Montréal et on a visité son studio qu'elle avait à ce moment-là à l'ONF. Et bon, je suis rentrée là et c'était une merveille. Il y avait plein de photos, il y avait plein de dessins, il y avait tout le storyboard de son film MacPherson qu'elle était en train de travailler à ce moment-là. Dans un coin, il y avait la table d'animation avec des dessins de Félix Leclerc. Elle était en train de faire des esquis de couleurs. Et bien sûr, la caméra d'animation, immense, une caméra de 35 mm avec le verre. Et elle m'a montré comment elle travaillait. Moi, j'étais ébloui. Et ses mains étaient très fortes, mais douces en même temps. Ses doigts qui touchaient le verre et traçaient des formes et donnaient la vie. J'étais vraiment, vraiment, vraiment ébloui. Et toute l'ambiance dans le studio, il y avait quelque chose qui était enveloppant. C'était sa présence, c'est avec l'histoire qu'il était en train de faire. On sentait vraiment qu'il était là-dedans. Même si on habite dans des villes éloignées, on a resté toujours en contact. En se balançant des petites vidéos, elle me chante pour tous les anniversaires. On a partagé des moments très heureux et des moments très tristes aussi. Mais on est là ici pour faire un grand hommage à Martine Chartrand, une grande artiste et une grande personne qui nous a d'abord laissé voir son âme et nous a enseigné avec tous ses films l'humanité. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Chère Martine, comme nous l'avons vu à travers tous ces témoignages, tu as fait beaucoup pour le cinéma d'animation et pour nous faire connaître l'histoire des Noirs. Les sommets du cinéma d'animation en collaboration avec la Cinémathèque québécoise sont heureux de te remettre le prix René Jodoin 2020. Merci. Quel bel hommage. C'est le plus bel hommage que j'ai reçu de ma vie. Merci pour ce témoignage. Merci, Alexandre,
Ma sœur m'a dit merci Oliver Jones, Marcel, Marco. J'oublie, oui, Marc Cassévi. Je ne m'attendais vraiment pas à un si bel hommage. Alors, je suis très nerveuse. Alors, j'écris un mot, parce qu'avec autant d'années, on rencontre beaucoup de gens. Cher Marcel, cher Marco, cher membre du comité du prix René Jodoin, chère Cinémathèque québécoise, je vous remercie chaleureusement de m'offrir ce grand prix du cinéma d'animation. C'est un honneur pour moi de recevoir le prix René Jodoin, qui célèbre mes films et mon engagement social en tant qu'artiste et cinéaste d'animation. À vous, mes amis de l'animation, vos témoignages me touchent profondément. En ces temps incertains de pandémie et d'injustice, il est pour moi primordial de créer pour donner de l'espoir. Je crois à la rencontre de l'autre, par le biais des arts, de la musique, du cinéma, du théâtre et de la danse. La signification de ce prix me va droit au cœur, car il représente la reconnaissance de mes pères et une célébration de mon identité québécoise d'origine haïtienne. Dans mes premières années de réalisation, j'ai eu le bonheur de converser avec M. René Jodoin et de lui avouer mon admiration pour son film « Notes sur un triangle » et ainsi que ses inspirantes productions telles que « Balabloc »,« Le vent » et « L'affaire Brunswick ». Cette semaine, je me suis remémoré toutes les fabuleuses rencontres de cinéastes, d'invités internationaux, de voyages, les moments d'apprentissage en côtoyant les pionnières et pionniers du documentaire, de l'animation française et anglaise de l'ONF. Leurs œuvres et leurs conseils m'ont guidée dans mes projets. J'ai une immense reconnaissance pour les cinéastes André Leduc et Lina Gagnon, la productrice Thérèse Descaries et M. Yves Leduc, qui fut mon producteur entre 1990 et 1996. Ils m'ont donné la chance de réaliser mon premier film, TV Tango. Ce film a été une belle aventure avec mes amies animatrices, Lucie Bélanger et Anne-Marie Serrois. Pour mon deuxième scénario, Yves Leduc m'avait conseillé d'explorer sur mon identité. Et c'est ainsi que le film « Âme noire » débuta. Puis, les producteurs Pierre Hébert et Marcel Jean et Marc Bertrand ont cheminé avec Âme noire et Macpherson. À mon amoureux et artiste Christian Bénard, qui m'encourage et m'inspire depuis notre toute première rencontre. À ma famille, à ma tante Marie-Elma Mitchell-Duchesne, qui m'a permise de découvrir mon origine haïtienne. À mes sœurs d'âme, Louise Vigneault, Denise Thérien, Katia Cariotte. À mes amis, Pierre Sylvestre, Maddy Piller. À tous les artistes qui ont participé à la création de mes films, tels que le cinéaste Fernand Bélanger, qui a monté mon film « Âme noire », les monteuses Suzanne Allard et Natacha Dufault, le merveilleux bruiteur de mes trois films, Jérôme Descaries, les compositeurs et musiciens Denis La Rochelle pour TV Tango, Oliver Jones, Lily Sonté Escordéo, Rainy Lee et Richard Ring, et leurs musiciens pour « Âme noire ». Le pianiste de grand talent Éric Schupp, qui a joué sublimement la sonate de Schubert, Jean-François Dumas, Dominique Desrochers, Lucio Altobelli du groupe Bon Débarras et Olivier Calvert à la conception sonore de Macpherson. Un grand merci à mon ami, le cinéaste d'animation Alexandre Petrov, qui m'a appris en Russie la difficile technique de la peinture sur verre. À Serge Giguère, mon ami, qui a réalisé le documentaire Le mystère Macpherson. On a fait une très grande aventure où il m'a côtoyé durant 10 ans. 90 heures de tournage. Au personnel de l'ONF qui ont distribué et fait connaître mes films dans divers pays,
aux directeurs, directrices de festivals, aux jurys qui ont sélectionné les films et ont offert des prix internationaux, aux amis cinéastes Laurence et Rachel Magloire, Franz Voltaire, Mireille et Maggie Metellus, Vue d'Afrique, Festival Black, qui ont fait découvrir mes films au Québec, en Haïti, dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud. Aux professeurs qui montrent mes films à leurs étudiants et étudiantes, à vous, cher public, aux jeunes de la maison d'Haïti et aux enfants de toutes les cultures d'ici et d'ailleurs. Vos histoires doivent être racontées et vous m'inspirez à créer. Merci à vous tous, chers amis. Merci, vous qui avez contribué à ce que je reçoive aujourd'hui, ce mémorable hommage, le prix René Jodoin. Continuons d'allumer les étoiles pour une meilleure suite du monde. Merci beaucoup. Bravo. Merci Martine Chartrand. Merci à tous d'avoir suivi cette cérémonie de remise de prix en ligne. Les sommets du cinéma d'animation se poursuivent jusqu'à demain, dimanche 6 décembre, alors que seront remis les prix des différents jurys. Nous vous disons à bientôt.